Lui, c'est le frère Malik Mavouzi. Frère Malik. Bisengo. Et la sœur Rose Kembia Nyemboué. And sister Rose. Permets-moi de présenter ceux qui se marient, on donne les offrandes et puis on part. Okay? I introduce those who are getting married and we offer, we go back. Le frère Michael Lombo Jomo. Brother Michael Lombo Jomo. Et la sœur Nicole Dimoke Anyaki. And sister Nicole Dimoke. Ils avancent et nous, on acclame les seigneurs. They come in front and we clap to the Lord. Deuxième couple, c'est le frère Papi Kongolo Chiswaka. Brother Papi Kongolo Chiswaka. Et la sœur Jenny Likinda Bosolo. And sister Jenny Likinda Bosolo. On acclame pour le Seigneur. Troisième couple, c'est les frères Rams Ngose Ankoya et la sœur Marie Futa Kaba Soubabou. On acclame encore, on était fatigué pas. Le quatrième couple, lui c'est le frère Malik Mavouzi, Brother Malik. Bisengo, et la sœur Rose Kembia Nyemboué. And sister Rose. Thank you.
Alors, allez, écoute. Listen. Le premier couple. The first couple. À ta droite. On your right. À ta droite, les couples, les tout premiers couples. The first couple. Les deux prient ici. Both pray here. Et ils se marient le samedi 25 novembre. Wednesday, on Friday 25. Ici, à partir de 17h. Here from 5 p.m. Le frère Michael Lombo-Jomo. Brother Michael Lombo-Jomo. Et la sœur Nicole Dimoke-Anyaki. And sister Nicole Dimoke. Et la sœur, je signale qu'elle est servante dans les départements d'hygiène. The sister is in cleaning service. Je suis heureux parce que tous ceux qui se marient aujourd'hui sont serviteurs ici. I am happy because all of them are serving God here. La sœur est dans le département d'hygiène, donc elle est parmi celles qui souffrent ici pour que toi tu sois bien dans l'église ici. The sister is among of those who work for you to be in the cleanest environment. Alors il faut très bien encourager ce couple. You have to encourage this couple. Pour que ça soit une réussite. For it to be a success. Le samedi 25, hygiène. S'il y a des absences, il faut me signaler. Hein? If someone misses that, you tell me, please. Même la personne qui est malade est obligée de venir. Si elle est dans les comas, elle sort du coma, elle vient, après elle rentre. C'est obligatoire. It is compulsory for all of you to come. Il faut que j'apprenne que ce mariage était bien. I have to know that this wedding was fantastic. Le frère Papi, Brother Papi, qui est à l'extrême, à ta droite, is on your left. Lui, il était même dans mon clip Yeo Yeo, vous vous souvenez de lui? Il était là et on se connaît très bien depuis longtemps. It was in that scene. We know each other for et long sa time. Femme aussi est ici. Les deux prient aussi ici. Both of them are praying here. Ils fréquentent plus le deuxième culte. And most of time come in the second service. Et eux se marient le dimanche. The wedding is on Sunday. Le dimanche 26 au deuxième culte, dans leur culte. Sunday 26 in the second service. Et on va encore service. Soutenir ce mariage. Please support them, please. Pour que ça soit une réussite totale. To be a success. Il était à l'intercession, je pense. It was an intercession. Nous allons soutenir aussi les intercesseurs. On va soutenir ça. Intercessors are supposed to support. Et le troisième mariage. The third. Ces petits ici, je l'ai vu venir à l'église. This young boy, I see him coming to church. Il était perdu comme ça. He was lost like that. Et puis Dieu a commencé à donner un sens à sa vie. Then God was given sense to his life. Un jour, j'étais en train de marcher et puis je disais, ah, il n'y a pas la sécurité. Et lui, il travaille dans la sécurité. Maintenant, quand je l'ai regardé derrière, j'ai dit, ngana ina nyobate la muninga. I say, there is no security now. He works in security. Who is going to guard another? J'aime beaucoup l'embêter. Il est souvent avec moi. I tease him most of time. He's most of time with me. Il est parmi ceux qui se battent pour moi. He is among those who fight for me. Et il a ramené sa femme. And he brought his wife. Et se marie ici aussi le dimanche 26. And that will be 26. Donc quand tu entres dans l'église, il est parmi les frères qui veillent sur ta voiture. When you come in church, make sure he works. Il est là, il sécurise l'église. Quand il y a un petit souci, il est là. There is a trouble, he is there. Donc nous devons soutenir un tel couple. We have to support this couple. Des jeunes qui sont courageux comme ça. Of courageous young boy. Bon, Malik, vous tous vous les connaissez. Then Malik, I hope you know him. La sœur Rose aussi est de l'église. Brother Rose is of church too. Sœur Rose, il faut pas regarder par terre, il faut regarder Sister les Rose, gens. Fix, see the church. Tu as épousé une star, donc il faut affronter les regards. Your husband is a star, you're supposed to be in front, see. Alors, la sœur Rose est aussi de la GMC ici. Sister Rose is of young youth in church. Ils se marient aussi le dimanche 26. Then Sunday 26, they get married too. Donc nous avons de mariages bien pour ce mois de novembre. Then we have wonderful weddings for December. Que toute l'église,
all the church. Se battent pour que ils soient heureux. Do your best to make them happy. Approchez-le, j'autorise ça. Then I tell you to go close to them. J'autorise que tu partes vers eux. Go to them. Leur demander ce qui manque. And tell them what you need. On doit ensemble faire tout pour que ce mariage soit de réussite. Let's go together for this wedding to be success. Lève une main et prie pour eux. Commence. Lift up your hand and pray for them. Éternel, merci. Thank you, Lord. Que ce mariage soit réussite. Let this wedding to be success. Que les choses soient agréables. Then things to be perfect. Que toutes ces familles, all those families, les huit familles soient dans la paix. Let them be in peace. Que le diable ne trouve pas une porte. The devil must not have a gate. Que pendant cette période, for this time, tu parles, que tu bénisses. Bless and et que tu accordes ce qui manque. And give the lack. Je bénis ces jours de mariage. I bless this wedding days. Que l'atmosphère soit agréable. Let the atmosphere be wonderful. Et que le diable soit impuissant et incapable. The devil has no power, unable to work. Qu'ils soient tous bénis. Let them to be blessed. En ton saint nom Jésus. In your holy name, Jesus Christ. Nous avons prié. We prayed. Amen. Amen. Ils regagnent leur place. They get back. Et nous acclamons le Seigneur. We clap to the Lord. Oh,